Mais Mécène Jean-Louis, mesdames, mademoiselles et messieurs, semblait perdre bataille selon ça, ancien sénateur Youri Latortue. Eh bien, ça fait déclaration ça là, non, matin débat, en pile causé parler. Eh bien, finalement, tout le monde comprend que jouer Mécène, non, c'était une façon pour nèg opposition te ka montrer, yo gen plan pour 2021, 7 février 2021 qui t'est passé, ya. Et nous connaissons qui quantité parole en pile, bagay ça a été fait, et même gen nèg qui prend prison jusqu'à mettre Mécène, même en tant que yon juge qui était plus ancien dans cour de cassation, perdit poste li et monsieur en retraite qui donc, monsieur là, pas gen un en amel, selon Jean, eh bien nous même nous ka comprendre bagay yo. Eh bien, la tortue, lui même fait qu'on est, donc il y a un gros mouvement qui a mené là, dans la question OEA. Et si toutefois, il y a un accord qui sorti ou bien tout doit tomber, ok, mettre Mécène Jean-Louis, non, courir. Qui donc, c'est, donc, mettre André Michel qui était venu avec mettre Mécène Jean-Louis. Eh bien, il était versé dans l'opposition, il était d'accord sur ce choix, mais malheureusement, bagayo pas marché, qui donc, mettre Mécène Jean-Louis, non seulement perdu le job, et puis en retraite, bagayo mal passé pour. Eh bien, mettre Mécène Jean-Louis. Nous allons inviter à plus de détails, nous allons inviter autant de déclarations. Ancien sénateur Youri Latortue fait tout ce qui sont élections 19 septembre et puis référendum 27 juin qui donc qui déjà échoué selon sa opposition fait qu'on est. Donc nous allons inviter autant de pablier ou soutiver la caille pour si là qui peut vous abonner avec nous. Pas hésiter à faire ça rapide vite pendant que vous regardez des vidéos. Ça y une façon pour qu'à toujours recevoir notification pour chaque dernière vidéo nous poster ou à premier monde qui informé. Restez connecté, guys. N'a tourné pour un prochain. Bonsoir, Loco. Bonsoir à tout staff de Matin Débat. Et spécialement, vous allez députés et anciens collègues Pierre Martin à toutes. Nous saluons tout notre panélicio. Nous saluons tout auditeur, auditrice, capteur d'émission. Alors, forme de Loco, à 3 h, c'est la DIRPOD. C'est la DIRPOD comme groupement qui a recevoir parmi lesquels moi-même et deux autres. Moi, des personnalités, qui c'est Rosemont Pradel et sénateur de la grandeur Sorel Yassin. Ok, donc ça veut dire que c'est pas AA qu'il y a pour se voir. Donc c'est DIRPOD que vous faites partie. C'est la DIRPOD qu'on reçoit à 3 h comme premier groupe et on continue à recevoir. Mais il y aura une représentation de 3 personnalités pour la DIRPOD. Lesquelles? Qui est ce pour DIRPOD? Et qui est ce pour DIRPOD, le sénateur? Et nous gagnons Rosemont Pradel de la Fusion et sénateur Sorel Jaffet de Unité. Okay. Très bien. Et ou même de AA, très bien, très bien. Ok, et ça nous paraît pour nous dire après-midi. Premier bagaille, Loco, il faut me dire que démarche de répondre à rencontre OEA est située dans la ligne que depuis 2018-2019, nous t'a parlé. Depuis une alternative, nous t'a dit que nous parlons pour nos chita avec le patron Jovenel Moïse, qui c'est eux-mêmes qui t'a kembé le pouvoir. Et dans la ligne, ça, nous t'a rencontré ambassadeur Kraft, secrétaire d'État américain, Union européenne. Et je dis à ces OEA, nous t'ai dit que nous pas rencontré avec le président Jovenel Moïse, parce que le président Jovenel Moïse n'a jamais été parolé. Dans la rencontre qui était faite avec l'opposition, me rappelle Kaïdnos Apostolique, eh bien, il t'a dit, lui-même, ça l'a baissé quelques postes, alors que nous-mêmes, dans la rencontre-là, moi pas passé ces questions de postes pour nous discuter. Donc, pendant que nous avons dit, nous pas rencontrer avec un monde comme ça qui n'a pas été parolé, mais nous t'ai toujours dit que la communauté internationale, c'est une force politique importante en Haïti et Fonouchita Avel, d'ailleurs, c'est lui-même qui est le journal côté lié dans le pouvoir. C'est clair que, sénateur Latortue, vous connaissez que déjà, sur la table, la question du référendum libéral quand même évoqué, la question de la nouvelle constitution, également des élections et la situation sécuritaire du pays. Et comment nous allons approcher la question avec l'OEA? Moi, je pense, et justement, Louko, il est extrêmement important pour nous parler avec l'organisation SAYO, parce que yo gagné un lobbyiste extraordinaire que le gouvernement haïtien a fait, a dépensé comme bon côté, pour expliquer la situation, j'ai oublié. Donc, nous-mêmes, dans l'opposition, nous n'avons jamais la possibilité de lobbyiste SAYO, et l'organisation SAYO a exprimé position d'après lobbyiste qui vient parler avec eux. Moi-même, moi toujours dit, que faut chercher occasion pour que nous expliquions
situation. Jean Lia, nous déposer papier nous et nous montrer à l'organisation que ça ou dit, c'est pas vrai. Mm-hmm. C'est l'objectif ça, moi toujours voulu rencontrer yo et expliquer la situation parce que l'opposition n'a pas gagné pour payer 3 millions de dollars pour faire lobby. Le gouvernement a payé 3 millions jusqu'à 4 millions de lobby auprès de Washington, auprès de l'OEA et auprès de l'ONU. Donc, ça n'a pas dit pour question référendum là. L'article 4 de la charte de l'OEA, article 2, il a rappelé que pays membre de respecter la constitution des pays respectifs. Mm-hmm. C'est ce qu'on appelle en droit des organisations la subordination constitutionnelle. Et dans ce sens, si pays doit respecter la constitution, il a juste rappelé à l'OEA l'article 284.3 qui dit qu'il n'y a pas qu'à organiser le référendum. Et l'article 150 de la Constitution qui dit que le président n'a pas plus de pouvoir que ça, que la Constitution en base. Donc, dans ce sens-là, là que nous soumettons documents, ça, yo, référence à la Charte de l'OEA et à notre Constitution, moi, je ne peux pas dire ou pas voir question référendum, là, eh bien, j'ai blanc pour le comprendre que son bagage, que lui-même, lui-même, il ne doit pas parler de lui, parce que sinon, lui-même, l'a voulu les Charte de l'OEA. Deuxièmement, moi, je pensais que, sous question de élection, mm-hmm. il est clair que l'élection que OEA a parlé dans la résolution que le prend en mars 2021, il a dit qu'il faut des élections crédibles, honnêtes et démocratiques. Et moi, je crois que là, il a parlé de l'adjectif qu'il a assigné à question élection, c'est que pour élection, premièrement, il y a un cadre légal. Mm-hmm. Eh bien, la première chose, c'est que nous n'avons pas de cadre légal pour l'élection. Ça. Premièrement, le mandat président il prend fin dans 134.2. Deuxièmement, CEP qui l'a, il n'est pas légal, il n'est pas prêté serment, et c'est le prêté serment que le TK exerce. Donc, la légalité n'existe pas. Et si la légalité n'existe pas, mm-hmm. on n'a pas qu'à parler d'élection qui est honnête, crédible et démocratique. La deuxième chose, l'heure où voilà l'élection, il y a deux bagages qui sont extrêmement importants. Mm-hmm. C'est la question de loi électorale et la question de la carte électorale. Loi électorale, là, il n'y a pas qu'à prendre parce que le président, tout ça que le prend là comme décret illégal, son mandat a pris fin. Mais la question de la carte électorale, c'est que nous, notre situation, même si vous êtes considéré que 4 ça a été bon, c'est 4 millions de monde, eh bien, qui gagnent carte, qui enregistrent pour carte, c'est 3 millions qui joignent et c'est 8 millions de monde qui doit gagner. Mm-hmm. Donc, dans l'élection, ça veut dire que c'est toute population qui a dit qu'il n'y a pas le voter ou qu'il n'y a pas le voter, mais au moins il faut avoir une carte là dans le mm-hmm. Donc, la question de la légalité n'est pas, la question du document électoral n'est pas gagné. Mm-hmm. Et il n'y a même besoin, je dis, de parler de la question sécuritaire. D'ailleurs, moi, je pense que je dis, plus d'un, même monde qui t'est parlé en France ou à qui pour pouvoir, je reconnais que je dis à PIA, eh bien, son pays qui est ingouvernable. D'ailleurs, moi, je t'ai expliqué déjà, dans la théorie que je t'ai parlé pour l'insécurité qu'il a, c'est ce qu'on appelle le banditisme d'État. Et banditisme d'État, il y a plusieurs étapes. Il y a une étape 1, côté le banditisme est établi avec l'aide du gouvernement ou de l'État en question. Mm-hmm. Deuxième étape, maintenant, ou bandits, y a cherché espace géographique ou bien influence. Et troisième étape là, yo vin tellement fort que yo étend yo dans tout pays là et yo fait l'État et fait ça yo vle. Nous dans deuxième étape là côté gen goumen pour espace géographique et influence. Tout à l'heure on se dit loco, on a vu des bandits sur la place Boyer de Pétionville dimanche soir. Ouais, moi pense peut-être yo en advance, il faut s'attendre dans deux ou trois semaines, que lutte pour l'espace géographique, là, la privée, eh bien, partout dans la zone métropolitaine. Donc, moi, je crois que, au lieu d'une situation qui se calme, c'est une situation qui se chauffe, qui a chauffé. Donc, dans la situation, ça, on va même quoi, si on est lucide, il va parler de l'élection, d'ailleurs, donner NDDHT bail, dans la question, ça, il y a 80% de la zone métropolitaine
eh bien, qui occupé par les gangs. Et pas oublier, la zone métropolitaine, c'est 42% de l'électorat. Sous 80%, c'est-à-dire environ 30 à 35% de l'électorat, sous contrôle des gangs, non pays, côté que l'élection a fait normalement, c'est 30% de monde qui vont voter. Donc, je dis à moi, penser que données électorales, données quartiers, données légales, a montré que dans la situation, ça, les élections, eh bien, sont impossibles. Mais tout ceci, nous croyons que grand effort a fait au niveau de l'opposition, de la société civile, du secteur privé, pour que nous arrivions dans un accord, eh bien, côté que nous allons entendre sur des points principaux, c'est-à-dire un exécutif sans Jovenel Moïse pour réaliser les fondamentaux de la transition. Je crois que c'est pendant que nous avons exposé eh bien, situation, nous pouvons parler tout pour nous dire que voici la solution que nous sommes en train de rechercher, parce qu'il faut le plus vite possible mettre en œuvre cette solution pour que le pays a arrêté dans chaque lieu. Ok, je crois que il y a plusieurs entités dont AAA faisant partie de la DIPOD, nous-mêmes nous là pour une question de départ ordonné. Comment nous comptons aborder question ça avec la délégation de l'OEA? Très bien. Et je vais expliquer pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ont confusion sur la question de départ ordonné. Okay. Départ ordonné, il y a deux points principaux là-dedans. Un, c'est la fin du mandat du président Jovenel Moïse, c'est-à-dire c'est le départ de Jovenel Moïse. Deux, son remplacement par un exécutif est partiel. Donc, l'éclair, le contenu du départ ordonné, c'est ça. Départ ordonné, il n'y a pas ni cohabitation là-dedans, il n'y a pas ni rentrée-mêlée là-dedans, il y a deux points, le départ de Jovenel Moïse et la mise sur pied d'un exécutif impartial. Maintenant, dans ce sens-là, moi, je pense que, à travers ça, nous sommes dit, le coup, dans la proposition, on voit que l'y renfermé d'ailleurs, dans les points de l'accord, qui signifie que le départ de Jovenel Moïse, et dans l'accord, il est dit qu'il sera remplacé par un premier ministre, eh bien, qui sera justement désigné par une commission de 4 membres du secteur politique et de 3 membres de la société civile, une commission de 7 membres, qui a gagné, qui a choisi premier ministre là, peut-être à l'instar de 2006, et premier ministre là, selon l'esprit de l'article 149, l'a joué le rôle de premier ministre et de chef du conseil des ministres, donc rôle de président et l'a gagné pour mener transition avec pour objectif, un, premièrement, la question de la conférence nationale, deux, la question des procès Pétro-Caribé, Dermalogue et Latrier, trois, la question de réalisation des élections et quatre, lancer les réformes économiques et sociales. Et maître mécène Jean-Louis, monsieur. Et sénateur, et vous l'attendez. Mettez M. Jean-Louis côté de notre baisa. Eh bien, M. Jean-Louis, je pense que c'est peut-être ça qui gagne une commission qui t'a loué M. Mécène. M. Mécène, d'ailleurs, moi, je dois dire, c'est le monde qui sortit même côté avec et c'est le monde, moi, je pense, justement, qui a courage, convictionné. Et la commission, ça a t'a loué, et qui dit, au mot que tout le monde retenu, que l'IPAP constitué un obstacle à n'importe quelle solution qu'à joindre. Cependant, moi, pense que par rapport à M. Jean-Louis, non seulement il est en réserve de la République, mais son équipe doit être avec nous dans toutes les démarches, dans tout ça qu'on a fait de médiation, puisque M. Jean-Louis mérite à, il doit avoir cette reconnaissance de la République pour s'être mis à disposition dans un moment que vous n'avez aucun juge qui te voulait, et que s'il doit remplir un rôle, la remplir, mais s'il va doit remplir un rôle là, il restera en réserve de la République, mais son équipe sera avec nous dans toute démarche de l'opposition politique. Eh bien, donc, juste un petit rappel, le Premier ministre qui sera donc choisi et par cette commission fera donc également office de président. Oui, selon l'esprit de l'article 149 qui dit, lorsqu'un président est empêché ou bien démissionner ou bien ne peut exercer ses fonctions, le premier ministre, eh bien, en conseil des ministres, eh bien, exerce le rôle de l'exécutif. Eh bien, merci en plus, sénateur, Yula Tantu, donc bonne chance, bon travail. À moi de vous remercier. Merci en plus. Bon, nous tendons des paroles là.